Ah, connard de chat, tu m'as griffé la gueule. Bonjour à tous, installez-vous bien, car voici mon film. Je suis un chat. Je prends une bagnole. Zoom, zoom, vas-y. Zoom, zoom, zoom. Voilà, ça c'est moi. Et je suis un chat. Voilà, c'est... Attends, peut-être que... Qui c'est qui a pris mon Sénat? Oh, je vais vous faire foutre. Bon, bref, on emménage dans une nouvelle baraque bien nulle. Voilà. Voilà, fin. Je me casse. Vas-y, viens, frère, on va dans une maison de merde. Vas-y, viens, descends, vas-y. Oh, tu parles d'une baraque. S'il y a quelque chose dont j'ai horreur, c'est bien les déménagements. Alors oui, là, j'ai fait un bruit de camion, mais... En même temps, imaginez-vous débarquer devant une maison aussi merdique que ça, sérieusement, les vitres, elles sont pétées. Voilà, je... Voilà. Regarde ça, c'est pas le paradis. Avec quelques replâtrages et une couche de peinture, tu verras. Je pense que le seul truc à faire pour améliorer cette maison, je pense que c'est de la couler dans le béton. Hein. C'est ça. Un petit champignon. Prête-moi ta voiture, s'il te plaît. Eh bien, Francis, tu ne veux quand même pas que je te porte pour passer le pas de la porte. Une infecte odeur de moisie me tomba sur le museau comme une enclume. Je réalisais aussitôt que cette puanteur infâme ne provenait pas des escaliers descendant à la cave, mais dégouliné en réalité par l'escalier qui desservait l'étage. C'était un mélange d'odeurs de droguerie, de cabinets vétérinaires et de poubelles de déchets toxiques. Ça va. Vous croyez quoi, que j'allais vomir comme un humain ? Toxique. Et je me dis que j'aurais mieux fait de ne pas mettre les pattes dans cette maison. Alors mon bébé, est-ce que c'est pas beau tout ça ? Effectivement, ce n'est pas beau. Tu vas voir comme ça va être marrant de tout nettoyer, de moderniser et de décorer cette maison. Ah, quelle horreur. Coucou. Et c'est derrière, dans le jardin, que je découvris mon cadeau de pendaison de crémaillère. Il était étendu par terre, ce frère au pelage noir, les pattes étirées comme s'il eût été endormi. Sauf qu'il n'était pas endormi. Ça, c'est forcément un ouvre-boîte. Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est pas moi. Pardon? Un ouvre-boîte? Excusez-moi, j'ai du mal à vous suivre. C'est certainement encore un ouvre-boîte qui a fait le coup. Ah ouais, ça me paraît évident. Il a fait à ce pauvre petit Sacha un trou d'aération supplémentaire dans la gorge. Ah d'accord. Il est juste con en fait. Tu veux qu'on fasse quoi avec nos bras? Putain! Avec notre cul. Ah d'accord, ouais. Ça a l'air plus évident maintenant. Ah! Tué par un homme? Vous avez vu la chef? Hélas, non, mais il n'y a que les hommes pour être brutaux au point de faire une chose pareille. Ouais, les hommes, ceux qui polluent, ceux qui s'occupent de toi. Espèce de chat domestique. Gros loser. Salopard d'ouvre-boîte. À quoi ils servent sinon à ouvrir nos boîtes de ronron en conserve? Peut-être à nous nourrir, espèce de con. Les boîtes de ronron en conserve, ils ouvrent nos boîtes. Et dire que le pauvre est le quatrième ce mois-ci. Vous voulez dire que c'est le quatrième mort? T'as l'air d'être nouveau dans le coin. Tu viens d'emménager dans cette baraque de merde? Sympa comme endroit. Ah, un euro, t'as dit un gros mot. C'est un centime, ça.
m'arrive d'aller y pisser de temps en temps. C'était ça la tache jaune dans laquelle j'ai marché. Ça m'étonnerait qu'un ouvre-boîte ait fait ça. Sa gorge n'est pas coupée, elle est déchiquetée. J'ai pété. Hé, hey, monsieur, je sais tout. C'est quoi ton petit nom? Francis. Gabriel. Après ma rencontre avec le cadavre, je décidai d'explorer un peu les environs. Tueur. Tueur. Ouh. Ouh. Qu'est-ce que je fais, le con? Dirait qu'il y avait une plaque ici. Le cabinet d'un médecin. Voilà qui expliquerait les odeurs chimiques. Tu vois, je suis pas sûr. Poser un parquet neuf, ça représente pas mal de boulot. Je crois que j'en serais pas capable. Tu rigoles? Ça s'impose, un beau parquet en chaîne. Tout le monde a ça. C'est le must de la déco. Les seuls qui ont encore de la moquette aujourd'hui, ce sont les clodos qui mettent ça sous les portes cochères pour dormir au chaud. Et tu te souviens, quand on était jeunes et rebelles, on avait au moins un idéal, même si on n'avait pas d'appartement. Et maintenant qu'on a la quarantaine, il nous faut quelque chose qui nous corresponde. Du parquet. Cet accro du parquet, véritable professionnel de ce qui est tendance, s'appelle Archibald Philippe Magenta, dit Archie. Il a fait Woodstock. C'est le seul ami qui ait pu trouver Gus, mon pitou. Prends ça, sale mouche de merde! À part moi, bien sûr. Alors, mon petit gars, j'imagine que le déménagement a été dur pour toi. Je t'ai apporté une cassette de ta musique préférée. La symphonie de la résurrection de malheur. Allez, dors bien. Il a plongé son visage dans du goudron, quoi. Viens ici, mon petit, viens ici et regarde un peu le magnifique cadeau que je t'ai apporté. Oh, t'as fini de gueuler là, ça fait 25 minutes que je t'entends là. Putain, si t'es venu pisser, tu dégages. Non, je suis pas venu pisser, n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qui se passe, y'a encore un mort? Jour après jour, Métaphysion traverse les âges, il sera toujours celui qui nous inscrit. Mais sur quelle planète ai-je débarqué? Après qu'il ait traversé les flammes, les plus grandes faveurs lui furent accordées, car Dieu l'avait mis à l'épreuve. Et avait vu en lui un bras. Alléluia! Au nom de notre frère Claude-Andus! Au nom de notre frère Claude-Andus! Lui qui s'est sacrifié pour nous et qui est divin! Claude-Andus! Toi qui es sacré! Claude-Andus! Prête l'oreille! Entends notre souffrance! Et entends notre prière! Reçois notre sacrifice! Alléluia! Sa mort nous a semblé une défaite! Et son départ fut ressenti comme une tragédie! Mais aujourd'hui, Claude-Andus repose en paix! Alléluia! Alléluia! Entre notre... Sans répandu lors de ton agonie! Oh! Pauvres pécheurs! Dans le grenier! On nous espionne! Mais dépêchez-vous, imbécile! Wow. Wow.
Bonjour. Bon. Salut. Quand même. Mais t'es aveugle ? Non, c'est juste que je vois rien. Ouais, en gros, t'es aveugle. Mais je peux voir des grandes personnes dans mon esprit. Des gens, des humains. Et quelqu'un tient un truc brillant. Et je sais pas ce que c'est. Ouais, genre ça. Arrête, pauvre con, ça fait mal aux yeux. Je croyais que t'étais aveugle. Si, je suis aveugle, hein. Oh, aïe. Oh mon dieu. Oh non. Mais tu es décapité. Non. Je suis pas décapité, j'ai juste perdu la tête. Pas vrai celle-là. Vous, c'est vous Clonandus, je le sais. Y'a quoi dans votre sac? Vous pouvez pas accuser les gens sans preuve. Dans mon sac, un livre, un bout de papier, encore un autre livre, ah, et une tête de chat bleu. Oui, effectivement, c'est moi. Mais qu'est-ce que tu as... Maintenant, Clonandus, je vais faire ce que tout le monde aurait voulu. Ouvre boîte. C'est pour féliciter.